Alors, normalement, je suis revenu. Désolé pour le crash, ça commence bien. D'accord, donc la cam, elle a crash aussi, tout va bien. Ah, non, c'est bon. La cam, elle est revenue. Donc normalement c'est bon, je suis reviendu. Alors du coup, allez, ah non c'est bon, c'est juste OBS qui a crashé, c'est pas la co. Du coup, ah non, c'était pas ça. Et... Alors c'est bon, la copare en sucette, tout va bien. Salut LDR, bienvenue sur le stream, comment ça va? Bon, bah ça va se calmer, je sais pas quand, mais ça va se calmer. Productions. Jeremiah Productions.
T'as regardé pour avec l'event Yuna pour l'avoir? Plus toxique, comment vas-tu? Encore comme une porc, voilà. Ah bah ça va, tranquillou. Voilà. Et la bonne RNG que j'attendais. Vu que mon Théo il est plus en. Vu que mon Théo il est plus en violent, il sert plus à grand chose le pauvre. Ça, c'est bon, c'est passé. Attends là. Ça clean, c'est en même temps. D'accord. Ah, hein. Oh, je suis vraiment navré, 62K. C'est vraiment, vraiment navré. De sens devant et t'as fini, nice, c'est cool ça. Oh, super, si je mets ça, ça va peut-être pas aller.
Hey, on est en GBG, on n'est pas en arène. D'accord. Ça peut être pas mal. On n'a pas de buff attaque par contre. De toute façon, normalement, je devrais pas avoir besoin de ça. Ça devrait être pas mal. N'hésitez pas à mettre de la musique, hein. Pour une fois le Nightbot il marche correctement. Ah super, magnifique, ça commence très fort. Bon, très bien. Le 1 HP quoi, elle va me le faire encore, elle va me le faire beaucoup encore. Bon, vas-y, laisse tomber. Les ouais, 12 millions de proc violents, c'est un peu chiant. Reset ATB qui marche pas. Ah ouais, bien, 18K, d'accord, et je me suis fait OS ma... Attends, je me suis fait OS... D'accord, très bien. Bon, bah on va essayer d'aller chercher le draw, mais ça va être compliqué à mon avis. Salut Tristor! Ouais bon vas-y, putain, la Shazoon qui proc jamais violent. Ah je sais pas, sur le breakdef il a mis 20K, ça doit être à peu près ça. Bon là je viens de me chier royal, c'est n'importe quoi. Avec les... c'est les procs violents en fait, c'est soit t'as de la chance, ça proc jamais. Soit t'as pas de chance et ça proc tout le temps. T'as eu Dation? Je sais pas qui c'est Dation. Darion peut-être? Darion, ouais. Ah, ça c'est dommage, quand c'est farmable comme ça. Des grésillements, je sais pas, c'est un peu bizarre. Des fois, il y a des gens qui me disent qu'ils ont pas, et puis d'autres qui me disent qu'il y a, donc je sais pas en fait, ça dépend. Je vais essayer de retoucher un peu, faudra juste me dire si ça le fait encore ou pas. Si ça le fait pas, c'est bien. Mais là, par exemple, je sais pas, ça devrait plus le faire, mais par contre, vous devriez m'entendre pas spécialement très bien.
Ok, pas de souci. Normalement, ça devrait être bon, mais. Il me semblait bien que j'avais vu Henri Tech. Oh putain, vas-y, vous allez me le faire à chaque fois le coup du 1 HP là? Passe-couille. Au revoir Théo. Tu pouvais pas proc violent avant. Si, c'est tuable, c'est juste relou parce que en fait en face vu que ça proc à chaque fois c'est ça fait du proc violent sur proc violent sur proc violent du coup ça heal comme comme du grand n'importe quoi. Ah, 80% de précis 80% de résistance et quand tu vois la Chazoune qui se prend tout. T'es pas mort de rire déjà. Voilà. Du grand imp. Bon, allez hop, on peut arrêter tout de suite, c'est n'importe quoi. C'est Gritesh qui fait chier le monde, c'est pas. C'est même pas Taor, c'est non, il est pas skill up et ladriel. De toute façon, ça change pas des masses. C'est juste une affaire de. En fait, mes teams tiennent à peu près la route. C'est juste des affaires de. C'est juste des affaires de proc violent, en fait. C'est tout. Ni plus ni moins. Bon, GG, c'est fini. On a fait un beau combat, et derrière, on a fait que de la merde. Ok, ça, c'est fait. Alors, l'event, par contre. Faire tanker Taor et Ritesh par Théo. Bah ouais, c'est normal, mais à la base, c'était censé. C'était censé. Bien marché, Ori. Comment vas-tu? Salut Yefa, bienvenue sur le stream, comment ça va? Ça tabasse Darion maintenant? Ouais, mais le mien, il a gagné en HP, mais par contre, je lui ai retiré le taux crit et le dégât crit qu'il avait, en fait. Puisque je le remets en... Puisque je le remets en... Puisque je le remets en raid, j'ai supprimé le taux crit. Il avait 77 de taux crit pour 170 de dégâts crit, mais j'ai pas vu de grosse différence.
Bah Diaz, en fait, comparé à Darion maintenant, vu que Darion il a eu un up, il est plus aussi pété. Donc je l'ai, on va dire, je l'ai mis de côté, je l'ai pas abandonné. Salut Daisel, comment ça va? Alors Tessa, je le joue pas, je le joue pas, je le joue pas. Plus trop puisque j'ai puisque je l'ai déruiné au profit de mon Verdé en fait. Ah, là je snipe Galion mais je pense que je vais le faire là cette je vais faire les pierres aujourd'hui parce que j'aimerais bien soit Vérade, soit Laïka, soit Téchar. Ça pourrait me faire un petit 5 nat. Donc là je snipe un 5 nat, ce qui m'étonnerait que j'arrive à l'avoir mais on sait jamais. Salut Elunik, ça va Daisel, tranquillou. Mais bon après je joue Colin en raid donc ça en heal. Il y a quoi je joue j'ai un alors moi dans ma team j'ai un break attack, un break def, un slow, une marque, un glance, un anti-heal. Normalement j'ai tous les debuffs. Je pense pas que les deux soient dans la même rotation, mais tu peux. Moi je voulais attendre Galion, mais là je vois que j'ai presque 500 pierres, c'est pas énorme. Mais c'est pas énorme, mais sur le principe, je peux peut-être essayer de choper quelque chose. Et puis j'ai vu que Galion c'était pas dans les 3 prochaines semaines, donc vu qu'il y a le reset DB, il y aura les fins de semaine avec les GVG, ça peut toujours amener quelques pierres, du coup je pense que je vais essayer de faire les pierres. Tu t'ennuies, 1600 cristaux en train de partir pour du DB10. Bah ouais. Moi je voulais te dire, je m'ennuie un peu sur SW aussi parce qu'il faut farmer, 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 farmer et j'ai quasiment rien qui rentre en rune. Donc c'est un peu chiant. Cameras online. Alright, here we go. Just wait for my cue. It's called the UE Boom. It's a wireless speaker. It's playing music up to 50 feet away. Dancers in position. Wireless speakers in position. Okay, Lindsay, get ready. Showtime. Je garde des runes, tu verrais les runes, c'est du grand n'importe quoi. Donc déjà faut dire qu'après s'il n'y a pas de speed je garde pas les runes, donc forcément ça va être pas mon but. Pareil Daisel, j'ai fait de la merde. J'ai déruiné tous mes mobs.
Et du coup j'ai focus ma team R5, du coup tous les autres ont pris un R. C'était un peu du grand n'importe. Chope des violentes, ça prend que jamais en speed. Il y a de la speed, mais ça prend que jamais dedans. Voilà ce que je garde parce que je chope rien en fait. Ouais mais encore les légendaires c'est pas trop grave, tu peux les reroll donc c'est pas trop dérangeant non plus quoi. Des proc mines. Et j'ai tellement rien que même les proc mines je les garde en fait. Voilà, PLS de mana. Hop. Ah bah du coup j'ai même pas gardé assez pour faire mes pierres je crois. Parce que c'est 10 000 par invoque. On va essayer de choper un 5 nat, on va focus. De toute façon, au pire, si j'ai Miken, ça me dérange pas parce que j'ai besoin d'un skill up pour ma Delphoi, ou sort de vraiment la finir de la skill max. Alors, du coup, le boss des mondes, c'est fait. Ça va faire un peu de cristaux. Parce que normalement, il devrait tomber aujourd'hui. Du coup j'ai remis Verdé dans mon DB10 parce que du coup je l'ai passé en mode attaque, il est plus en support. Ouais mais moi je suis pas trop axé PVP d'Aizel donc du coup forcément ça m'aide pas des masses. Non c'est Swaspy Tristor mais mon Verdé il sera pas dedans, je l'ai refait il y a 2 jours.
Oh, tu sais, dans les pierres, faut pas s'attendre à avoir grand chose, hein, toxique. Hein. Moi, je pourrais jamais passer en dessous de la minute à DB10 tant que j'aurais pas Galion, en fait. Ouais, pareil, Tristor, je farm les skill up de l'Homonculus support.
Oui, enfin, tu peux le faire en violent, tu peux le faire en violent, en violent revenge, hein, ton verdé, hein, ça a pas de, ça change pas grand-chose. Hein. Mais moi, je voulais mon verdé, en fait, si tu veux, je l'utilisais jamais en DB, parce que en full support, il ralentissait mon run de quasiment 1 minute, 1 minute 30. Et là, depuis que je l'ai passé en VRD DPS, du coup, là, je stabilise beaucoup plus à 2 minutes qu'avant. Mon sig est vraiment slow et j'ai du mal en DB10. Bah, tu peux le mettre en vitesse DCC attaque. Hein. Même s'il n'y a que la rune 2 en speed et pas de substat speed sur le reste de tes runes. Salut Dream, bienvenue sur le stream. Moi, le mien, il est en vitesse DCC attaque. Hein. Ah non, moi mon VRD il est en vitesse DCC attaque. C'est pour ça que j'ai un peu galéré parce que je voulais qu'il ait 100% de taux crit et plus de 150 de dégâts crit et j'ai enfin réussi. Enfin du moins il me manque 7% de taux crit pour qu'il soit parfait. Et ça, je les aurai avec les meules. Enfin, avec les enchantes plutôt, puisqu'on peut pas meuler le hypocrite. GG, Kalana. Non, mon Sigma, il est en vitesse DCC attaque aussi. Là j'ai 151 de speed sur Sigma et mon Verdé il a 143. Tu vois il a quasiment pas, à part le 39 de speed en 2, il a quasiment pas de sub en fait, tu vois là il y a 5, là il y a 13 et puis après il n'y a plus rien. Ouais, c'est vraiment très léger quoi, j'ai même pas cherché à lui mettre plus de speed que ça. Et mon Verdé il a 143 de speed. Et encore je peux le meuler si je veux. Voilà, il a juste une rune en speed en deux et il a voilà ici il a 5 de speed point barre. Par contre du coup tu vois j'ai réussi à avoir deux belles runes avec deux fois 21% de taux crit. Du coup ça aide beaucoup pour avoir les 100% de taux crit plus une DCC en 4 quoi. Après sur un DB que Verdé joue avant ou après Sigma, ça change pas grand chose. Ce qu'il faut c'est qu'il joue après Vero, Bella, Megan. Ouais, la 4, elle est vraiment belle, ouais. Ouais, la 80% de dégâts crit, 21% de taux crit, 13% d'attaque, elle est vraiment pétée, celle-là. Je crois que c'est une des plus belles runes que j'ai. En 3 runes, t'as 60% de taux crit, bah ouais, c'est clair. C'est sûr que ça aide. Plus ouais bah non j'allais dire plus un 7 lames, mais non en fait il a pas de 7 lames puisqu'il est en violent broken. Mais ouais j'ai réussi à avoir deux belles runes taux crit d'ailleurs qui étaient sur d'ailleurs elles étaient sur mon Tessarion. C'est pour ça que mon Tessarion il y a 2-3 jours il était full déruné en fait. J'ai changé les runes de mon Tessa pour les donner à mon Verdé. Salut Daviou, comment vas-tu? Salut Yukino. Ah, mon Vero a 1 de speed de plus que mon Bella. Alors, sur le principe
que Vero Bella joue soit l'un ou l'autre en premier, c'est pas trop dérangeant. Hein. Ça change pas grand-chose. Moi, je préfère que Bella joue en premier parce que en fonction de si Vero il a décidé de faire son 1 ou son 2, ça change quelque chose parce que mieux vaut que s'il fasse son 1, il attaque sur un break def. Mais sinon, à part ça, ça change pas grand-chose. Ça va, Davio, tranquillou. Oui, non, mais voilà, mais après, ça dépend. Parce que ça dépend de l'IA. Ça dépend si l'IA, elle a envie de faire son 2 pour le stun, ou si elle a envie de... si il a envie de faire son 1. Ça dépend. C'est surtout ça, le truc. C'est pour ça que moi, je fais jouer Bella en premier, mais après, ça a pas plus d'importance que ça. Ce qu'il faut, c'est surtout que Megan joue premier. Si tu joues Spectra, il faut que ça soit Spectra Megan, après Vero ou Bella, et puis après, ça dépend ce que tu utilises, si tu utilises Verde ou si tu utilises Sigma. Oui, sur les premiers DB10, ouais. Neuf minutes 20, le premier run GB10, ça c'est du manuel. Et non, je suis pas jaloux, c'est toi qui es jaloux, parce que mon premier run GB10 en manuel avec AK6 en 5e, j'ai mis 14 minutes. Après, quand j'ai réussi à le faire en auto avec AK6, j'étais à 6 minutes en GB. Et après, bah, au bout d'une semaine, je suis passé avec Lucien, du coup je suis descendu tout de suite à 2 minutes 30. Mon premier DB était à 5 minutes. Premier DB, ouais, je crois que j'ai fait pareil dans les 4, 5, dans les 4 minutes 35 minutes. Ouais, mais bon, AK6, c'est très safe. À l'époque, elle avait pas son boost heal. En fait, elle avait un heal de 10% et après, elle a eu son up de heal à 20%. Du coup, c'était plus la même. Mais le principal, c'est que tu y arrives, il unique. Après, je pense que tu as un manque. Généralement, il n'y a que deux choses qui pêchent quand tu attaques les GB. C'est soit un manque de speed, soit un manque de précis sur Bernard et Bella. N'hésitez pas à mettre de la zik, hein, les gens, hein. Vous avez le song request qui a l'air de marcher correctement aujourd'hui, n'hésitez pas. Sigma, Vero, Bella, Shannon, AK6, vu que j'ai pas de DPS vent ni haut. Alors déjà Shannon, tu peux l'enlever, tu peux mettre Megan à la place, ce qui fait que tu vas gagner un peu de DPS. Plus un cleanse, et je serais toi, j'enlèverais AK6 et je mettrais Bernard. Où tu vas gagner des dots avec Megan, tu vas gagner un boost ATB avec Megan aussi, et AK6 en fait ne t'amène rien à part du safe. Et du coup tu mets Bernard et ça va t'amener du DPS vent sur le boss, plus un break attaque, un break def et du boost ATB. Yop, s'allume-le.
Je pense que ça serait. Et du coup, tu serais un petit peu plus rapide. Je pense que tu serais dans les 2 minutes. Après, je connais pas tes runages, donc si ça se trouve. Mais en tout cas, Sigma, Vero, Bella, Megan, Bernard, c'est une très bonne team de base. Du coup, Sigma, t'amène plus de. Sigma t'amène plus de heal. Enfin, de buff heal avec son lead. Du coup, t'es un peu plus safe. Et tu gagnes double boost ATB et DOT avec Megan à la place de Shannon. Et en plus, tu gagnes du DPS sur Vero puisque son 1 scale sur les speeds. Du coup, avec le buff speed de Bernard, tu vas gagner encore. Salut, salut Gun, comment vas-tu? Ouais, Taor, c'est pété. Pour le dragon, c'est bien sympa, bien que je préfère Sigma. Et le roi Saint-Cheveux, ça c'est pareil, c'est pété en raid. Le truc, tu peux pas lui mettre de dot, enfin, tu peux lui mettre des dots, mais tu peux pas le stun. Du coup, c'est énorme en front. Fini, il l'utilise beaucoup. Salut Tomoe, bienvenue sur le stream. Tu me dis quand tu lances un stream de jeu? Nani? J'ai pas suivi Gun là, j'ai pas compris la question. Me dis quand si tu lances un stream de jeu. Ah, tu veux dire si je change de jeu, si je change de SW, c'est ça? Ah. Bah, de toute façon, aujourd'hui, je pense que je vais faire que du Summoner's War. J'ai quelques trucs à faire dessus. Ce soir, bah, si tu veux faire quelques games de pub, y a pas de souci, je suis là. Du coup, on va faire quelques pierres. J'ai quoi? J'ai 10 invoques. Là, j'en ai 9, 8. J'ai 8 invoques à faire, j'ai pas assez. On va attendre d'avoir 80 de mana. Ouais, je sais bien, Gun, t'inquiète. Du coup, on va essayer de sniper un 5 nat. Vera de préférence. Alors en fait, il n'est pas déformé, il est juste un peu écrasé. Parce que normalement, c'est un format 4 tiers et je l'écrase pour du 16/9. Mais on s'y fait, hein, Tomoe. Hein, bah, tous les bons 4 nats dans la rotation, j'ai pas grand-chose, il me manque juste Galion, mais il est toujours même dans 3 semaines, il y est toujours pas, donc du coup je vais essayer de choper un 5 nats. Non, putain. GG, il unique. Je suis jaloux. Je l'ai toujours pas, moi, Galion. Pas de soucis, unique. GG, en tout cas, c'est cool, au moins tu l'as quoi. Soit mes runages sont pas top, soit les adds ont focus. Non, soit les mobs ont focus les adds du golem. J'ai run en 3 minutes.
Après, peut-être que les runages sur ta team, la team que tu utilisais sont meilleurs que sur la team que je t'ai donnée. Hein. Ouais, je sais, mais bon. Comme je t'ai dit, vu que dans 3 semaines il y est toujours pas, il y a le reset de la Toa, il y aura 3 semaines de GVG, du coup ça me fera 5-800 pierres, je pense, un truc dans le genre. Bah, normalement ça devrait. Non, de temps en temps, ça m'arrive de wipe, Tomoe. Ça n'existe pas le 100% en fait. Il y a toujours une RNG au bout d'un moment, tu sais pas pourquoi, ça va partir en sucette. On va dire que je suis à 95%. En fait, de toute façon, Tomoe, au bout d'un moment, sur DB10, t'en as qu'un, hein, et puis à la fin, t'en as même plus, donc. Mais c'est vrai que quand tu commences le DB10, t'as toujours tendance à en mettre un deuxième, un petit vigor, ça fait vraiment le taf, quoi. Au début, je le faisais avec vigor. Mais bon, après, t'as de moins en moins besoin de heal, puisque à la fin, tu te retrouves en violent, ça joue plusieurs fois, ça cleanse, t'as tout ce qu'il te faut, quoi. T'as eu Mara sur le... Ouais, je l'ai pas encore, le Light and Dark de l'Event. Ok Yuna, pas de soucis, à tout à l'heure, des bisous. Ah bah après c'est une question de choix, hein, Tomoe, hein. Tu sais, au début mieux vaut viser le 100% que plutôt la speed, hein. La speed ça vient après. Mais Véro, Bella, Théo, Praa. Alors ce que tu pourrais faire, c'est à la rigueur, c'est retirer Praa et mettre Spectra, ça t'amène du DPS, ça t'amène un slow. Qui est plutôt pas dégueu en fait. Parce que Praa, je sais que ça heal fort, mais après je sais pas ce qu'elle fait d'autre. Un strip aussi? D'accord. D'ailleurs, ta team elle est un peu space en fait parce que t'as pas Megan dedans. Donc du coup t'as pas de buff attaque, pas de buff def. Verde, Vero, Bella, Théo.
Alors soit Spectra, soit Mégane. C'est marrant parce que t'as pas de buff attaque, t'as pas de buff def. En plus Mégane t'apporterait du dot, un cleanse et enfin un strip pardon et un boost ATB. Mégane Chazoun. Alors, le Mégane Chazoun n'est peut-être pas nécessaire. Avec ta team, tu devrais plutôt faire Verde, Vero, Bella, Mégane, Spectra ou Mégane, Théo. Je pense que. Parce que Chazoun, en fait, Chazoun t'apporte rien. Enfin, t'apporte du heal, mais le buff attaque qu'elle t'amène, en fait, il est pas très utile non plus, donc. 2:30, bon 2 minutes 30 c'est bien, hein. D'accord, ouais, je me doute, ouais. Un joueur que je cherche une mule speed. Ouais bah écoute, je crois qu'il va falloir que tu t'accroches. Hein. Moi j'ai eu de la chance, j'ai chopé un enchant speed héroïque sur violent. J'étais bien content. Je l'ai pas encore utilisé, mais c'est pas non plus pour ça que. Ça tombe très rarement. Alors, du coup, on va essayer de sniper quelque chose. Ouais, bah après, quand tu deviens trop sélectif, c'est compliqué. Donc on va essayer de choper une étincelle ou deux, on sait jamais, peut-être un petit Vérade. Vérade me ferait vraiment plaisir. Téchar à la rigueur, pourquoi pas, ça me permettrait d'accélérer peut-être mon GB10. Puis Laika, à part pour le PVP, m'en servirait peut-être pas. Donc après on verra. Donc c'est parti. Alors, pas d'étincelle, une fée. Là non plus. Là non plus. Ça non plus. Alors, j'espère que sur 8, il va quand même me filer une petite étincelle quand même. Non, même pas. Très bien. Donc, pas d'étincelle. Zéro étincelle. On est content. Même pas une. C'est pas grave. De toute façon, j'ai besoin de food. Donc, ça me dérange un peu plus que ça en fait. Tu verras, t'aurais un free Toa, il revient soon en plus. Ah, ça c'est fait. Aspi et sa PLS de mana constante.
Ouais, non, bah oui, ça on est d'accord. Oh. Oh, ça va, le Fritoa, je m'en sers quoi, mais c'est vrai que franchement, j'ai utilisé Poséidon et Vérade pour les deux derniers étages du HOH, c'est littéralement pété ces mobs. Bernard, sur le taux hard 100? Salut Nightcore, bienvenue sur le stream, comment ça va? Alors aujourd'hui personne met de la musique? Ouais, je me doute, ouais, forcément. Ouais. Bah disons que le freeze avec reset ATB sur Vérade, c'est du grand n'importe quoi en fait. Le double freeze AOE plus le 3 qui reset l'ATB, c'est du grand n'importe quoi. Compo louche à base de Barretta, Ewa, Bernard, Shazoon, Tessa. Que fuck les Junos. Oui, on est d'accord. Salut Frolon, bienvenue sur le stream, comment ça va? À 4 tours de CD, surtout quand il est en violent, c'est vite torché quoi. Ah ouais, puis surtout si tu le joues avec le joues en violent avec Mav, le truc c'est tous les deux tours. C'est du grand nain. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais, Vérade Ganymède, mais Vérade Ganymède, les deux en même temps, le problème c'est que si les mobs y jouent pas, d'un côté c'est bien, mais en même temps, les dots ils proc pas non plus. Donc du coup, effectivement, ça peut te sortir de certaines galères, mais derrière, je pense que ça, les deux en même temps, je pense que ça doit te rallonger en fait. Ouais, enfin ce HOH, franchement, c'était n'importe quoi. Même à l'étage 10, tu leur mettais deux gifles, il n'y avait déjà plus personne. Commence à être rate de batterie, ma clope.
Ok, bleu. Ouais, c'est clair. Ouais, genre. Ah bah oui, forcément, si je me plante aussi. Oh! Il est relou, lui. S'il avait mis 50-100 HP sur les Nuker, il y en aurait beaucoup qui auraient crié au scandale. Ouais, enfin, de toute façon, tu sais, t'as pas spécialement besoin. Oh! T'as pas spécialement besoin de ça pour. T'as pas spécialement besoin de ça pour que les gens crient au scandale de base, donc. S'il y a des gens qui veulent faire du R4, hein, allez-y, un petit message en 932. Merci Dark Warrior pour le follow, bienvenue à toi. Pouvoir B10 alors que tu géant à peine, c'est pas normal. Ouais, c'est clair. C'est clair. Yep, Tomoe, pas de soucis. On va aller faire un peu de R4. Je vais en profiter pour aller me faire couler un petit café. Donc vous inquiétez pas, hein, de toute façon ça va. Je continue, je prends ma tablette avec moi, donc du coup ça farm. Bah après ça reste un HOH, si c'était trop accessible aussi, ça aurait plus d'intérêt quoi. Enfin, je trouve. Enfin, ça reste un avis perso, donc. Salut Warel, bienvenue sur le stream, comment ça va? Salut Black Knife, comment vas-tu? Ça va, tranquille.
D'accord, très bien. Alors tu demandes les thèmes de Fairy Tail et tu te retrouves avec du FMA. Pourquoi pas? Ah oui, d'accord, ok, je comprends mieux. Ouais. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a balancé du Nightbot en même temps. Je me disais merde. Non, ça va pas du tout là. Ok, Mla. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Ouais, ça va, 1 minute, c'est cool. Moi, c'est ce que je fais, mais sans Galion. Alors, du coup, c'est plutôt cool aussi. Du coup, qu'est-ce que je vais faire en fait comme team? R4, du coup, j'ai pas besoin de ça. Du coup, je vais faire ça. Et je peux faire ça aussi. Ouais, ça va être pas mal. Un last pour R4, si ça intéresse des gens. Je peux faire R5 hein, aussi, hein, mais R4 au moins ça fait du run. Parce que franchement, R5 c'est pas trop. Ah oui, c'est clair, ouais, si t'as rien de skill up, ouais, on est d'accord, Black. Si je mettais mon Konami à pourri, pas de speed. Peut-être un peu de speed quand même, non même pas. Waouh, content le SP. Est-ce que j'aurais pas. Attends 2 secondes, je te réinvite. Ah si, il y a Sifran qui veut venir. Bon bah c'est cool alors. Comment ça va Sifran? Je vois pas du tout de quoi tu parles, Tomoe. Échange entre lead def et lead to crit. Ça va, tranquillou. Puis mon Lucien n'est pas skill up 35, donc ouais, bah, tu m'étonnes. Ouais. Tu mets le lead to crit, Tomoe, s'il te plaît? Et du coup. Ça sert vraiment à rien ce mob, lol. Bah j'en ferai un peu après, Kalana, c'est un peu plus tard. On va faire un peu de R4 et puis R5. De toute façon, franchement, quand je regarde, la différence de loot est pas extraordinaire. Alors effectivement, sur le principe, tu lootes moins, mais quand tu lootes, les loots sont plus intéressants. Mais les runs sont plus longs aussi, donc après c'est plutôt space.
Ouais, ça c'est pas faux non plus, parce que R5, hier on a fait un peu de R5 avec Fini, putain on est tombé sur des mecs quoi. Les gars ils partent en R5 comme s'ils allaient acheter une baguette quoi. Ils ont pas les stats, ils ont pas de DPS, on est parti avec un mec qui était full support. C'est bien mais les runs à 5 minutes 5, les 5 minutes 30 c'est un peu abusé quoi. Ah non, on n'a pas wave, mais à 5 minutes 30 le run, c'est même pas intéressant de faire du R5 quoi. Limite, je préfère faire deux runs à 2 minutes sur R4 plutôt qu'un run sur R5. Hein. La dernière fois avec Dra, on était avec Drazik et je sais plus trop qui, c'était qui était avec nous. Ah je sais plus, mais en fait on allait on wipait parce qu'on allait trop vite en fait. Du coup on a enlevé des DPS de partout. Ah pas mal la petite Despair là. Une semaine de R4, deux modes légendaires. Ah bah putain, t'as de la chance Black Knight, parce que franchement, depuis que je fais du raid, aussi bien R4, R5, j'ai pris, je crois que j'ai pris 4 légendaires en tout. Non, moi j'en vois rarement des légendaires, mais bon après... Ça me dérange pas tant que je peux meuler quelques mobs. Ah, par contre un petit break heal, ça serait pas mal. S'il y a des gens qui sont intéressés pour faire du R4, on fait 3-4 runs par personne et on fait tourner les teams. Hein, si vous voulez envoyer des messages sur le 932, n'hésitez pas. Un petit 60K de la part de la KUG, un petit 80K de la part de l'Homunculus, ça fait toujours plaisir. Ouais, pas de soucis. Ouais, t'as vu ça, Ori? Ouais, c'est chiant, mais... je relance le raid et je te montre ça, maintenant.
Lol, Tomoe. Lol. Ouais, mais ils ont tous quasiment 200 speed. Je peux les augmenter un peu, il y en a 2-3 que je peux meuler, je crois que je peux monter à 210, 215. C'est pas pareil. Du mana, c'est magnifique. C'est mon homonculus, il faut que je lui trouve plus de speed. Et ça, il ressemble plus à rien, donc au moins comme ça c'est réglé. C'est devenu un gros sac à PV, mais il en voit plus rien. Ouais, bah ça sert pas à grand chose d'avoir 4 fronts si t'as tout ça en. Ouais, déjà dans ta team, je pense que j'enlèverai Shazoon qui te sert pas à grand chose en fait. Et je rajouterai un DPS. Bah moi je tanker 5 à 2, hein, à 2 fronts avec Delphoi Darion. Ou Delphoi Panda, ça dépend ce qu'il y a besoin en lead. Donc Oh, je vais wipe. C'est quoi le délire? Le réveil de l'homonculus qui fait le taf, tu sais.
il se fait déchirer, il revient, il balance un 50K, normal. Dis merci au non-heal. Bah là, ouais, sur le coup, du coup, ouais, forcément. Bah de toute façon, il l'aurait balancé après. Hein, Ah, ça y est, t'as fait ton connard, 6 francs. Si tu le mets en back, t'as pas besoin de le mettre avec de la def. Tu peux le mettre en vitesse PV-PV, t'es pas obligé de mettre vitesse PV-def. Non, c'est bof. Là avant, il envoyait plus que ça. Il envoie un peu, mais bon, c'est pas non plus. Alors là par exemple il vient de mettre un 17K quoi. Mais avant il envoyait du 22-23K. Non il envoie mais bon c'est plus ce que c'était quoi. Mais t'as testé ça, faut pas le sous-estimer, hein, ça envoie du lourd. Hein. Toujours le plus 30 dégâts si debuff. Bah non, si t'es Oblivion, le passif marche plus. Ah oui, bah si t'es debuff, t'as toujours le. Sans parler de l'Oblivion, oui, bien sûr, t'as tout quoi qu'il arrive, t'as toujours le 30% de dégâts dès que t'as un effet nocif dessus. C'est pas comme la KFG où c'est 30% par effet nocif. C'est 30% s'il y a un effet nocif. Donc après qu'il y en ait un ou qu'il y en ait 50, ça change pas grand chose. Ouais, il y en a toujours au moins un. Ouais.
Au niveau des HP en bac, c'est bien. Au niveau de la def, c'est bien. Par contre, ça va manquer de res et ça va manquer de speed en fait. Mais sinon, non, je pense qu'il n'y a pas de souci. Oui, ça tient. Ça devrait tenir. Peut-être mêlée avec un peu d'HP quoi. Ouais, mais il faut voir que Ewar, il faut voir que ouais, elle réduit un peu la TB aussi, du coup ça permet à tes heals de heal plus souvent. Enfin, de heal plus souvent. De pouvoir heal avant de reprendre encore une attaque, du coup c'est pas le même délire. Sympa. Ouais, mais Xiaolin, je crois que c'est un petit peu moins puisque c'est 10%, je crois. Et c'est que sur son 2. Ah non, c'est 50%, d'accord. Alors, du coup, je vous abandonne, je vais me faire couler un petit café, je vais aller me chercher une tartine. Vous inquiétez pas, je prends ma tablette, du coup ça va continuer à farmer en même temps. Je vous abandonne 5 minutes, je me fais couler un café, j'arrive.
Oh les gens. Merci Marconisme pour le follow, bienvenue à toi. Salut Mystery, bienvenue sur le stream, comment ça va? Salut Ganitar. Alors du coup je vais couper la cam un petit peu. Merci merci pour le follow. Je vais couper la cam le temps de manger ma tartine. Merci Dwexen pour le follow. Mode 4 heures. Est-ce donc cela ton secret pour ta taille de guêpe? Tu te nourris exclusivement aux tartines, Kappa? Lol. Salut Inskaiser, bienvenue sur le stream. Bah non, mais c'est 4 heures, c'est tartines. Enfin, c'est 4 heures, presque 4 heures. T'inquiète, t'inquiète, je mange au riz. Pas choper de vitesse.
Ah, je sais pas, Sifran, n'importe, si quelqu'un sur le stream veut prendre la place pour faire du R4, allez-y. Hein. Yep, pas de soucis, Sifran. Avec plaisir. Sympa ça. Bon, si quelqu'un veut prendre une place pour R4, allez-y, envoyez un petit message sur le 932, y a pas de souci. Salut des Styler, bienvenue sur le stream. Merci Igor pour le follow, bienvenue à toi. Pas de cleanser, rien à foutre. Mon connard il sert plus à rien, de toute façon il est ruiné avec les pieds.
Oh, tes Arkémones, c'est super! Yep! Ok, Ori, pas de soucis. Bonne course, à tout à l'heure. J'en veux pas des Arkémones, je sais même plus quoi en faire. Oh oui, bien, 5 stuns sur 6, pas mal. Merci mec pour le follow, bienvenue à toi. Un jour j'aurai des teams comme toi, du moins j'espère. A plus, Sifran, ciao ciao, bon après-midi. Ouais, bah tu sais, ça viendra, hein, Steven, hein, y a pas de soucis. Hein. Faut pas croire, hein, ça vient pas comme ça. Je te regroupe, Tomoe, je vais juste mettre une rune speed sur mon Kona. Au début c'est très long à avoir une team raid parce que c'est beaucoup de mobs à monter 6 stars, beaucoup de stats à avoir, les runes, mais bon après ça va tout seul. C'est juste qu'au début ça prend du temps. Non, c'est pas ça, tu vas y arriver, Aspi. Ça fait 150 de speed, 150 de speed, c'est un peu léger quand même. Ça devrait aller, de toute façon c'est pour du R4, c'est pas...
Ok, Tomoe, je sais pas si t'as GB10 depuis peu, genre faut pas guetter mes mobs. Ah, il faut bien commencer. On est tous passés par là. Tomoe, je sais pas si t'as reçu l'invite par contre, du coup. Ouais, je vais mettre le panda et puis ça par contre ça saute. Je vais mettre Chazoon. Que la team d'à côté devrait être un poil plus safe du coup avec Konamiya qui va cleanse. René avec les pieds, le Konamiya. Je lui ai balancé des runes au pifomètre. T'as entendu parler des new skins? Non, parce que les skins en eux-mêmes, c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça, Styler. Je regarde quand ils sortent en pack, ou quand j'ai assez de pierres de méta, sinon, non, j'ai pas prêté attention. Non. Salut Lolo! Bienvenue sur le stream. Ouais, Tomoe. Ouais, voilà, même un connard pourri, ça fait le taf. Non, elle y était déjà, Chazoon, dans la team d'à côté. C'est juste que j'ai enlevé Wai pour mettre Konamiya en fait. Parce que forcément sans cleanse tout à l'heure ça s'est pris une raclée. Bon après perso même si ça meurt je m'en fous puisque de toute façon je peux tanker deux têtes facilement sur ma team normale. Ouais, tu m'étonnes. Salut, salut Lolo. Il y a Verdé, Chevalier Dragon, Sirène, Argue et Triton. Perso, je prendrais Shaw, c'est mon meilleur monstre. Après moi perso dans les skins je prends surtout des skins de mobs que j'utilise en fait. Comme ça me permet de les voir parce que prendre des skins sur des. Merde, prendre des skins sur des mobs que j'utilise pas, c'est pas super intéressant.
Mais c'est vrai que s'il y a un chevalier dragon, faudrait que je regarde à quoi ça ressemble. Parce que j'en ai un, c'est Léo, mais je m'en sers jamais. Honte à moi, il est 35, parce qu'il up au stockage. Normal puisque je fais pas de PVP. avec ma team 3 DPS, je peux tanker 2 têtes. Et si j'ai mes Shazun à la place de Tessa ou de l'Homonculus, je peux tanker les 3, c'est pas un souci. En R4, hein, bien sûr, pas en R5. Il reste une place hein, en R4, hein, s'il y a des gens qui veulent venir faire du R4. Envoyez un petit message sur le 932, on fait tourner les teams. De toute façon, est-ce que tout le monde puisse en profiter? Il tire un peu sur le full metal le galion. Le galion. Tu parles du nouveau skin qu'ils ont fait là? Moi j'aime beaucoup le nouveau skin du galion. Ouais, il ressemble un petit peu, il ressemble un petit peu au vagabond. Ouais. Le vagabond, il est stylé, le skin avec la cape et tout, la grosse épée de bourrin, mais le problème c'est que moi, mon Darion, je l'utilise que en raid quasiment, ou rarement en PvP, du coup, comme je dis, si c'est pour pas profiter... Salut Lénique, non, il n'y a pas deux comptes Aspirine, c'est juste que tu peux mettre deux teams en fait. Et salut MacPanex, bienvenue sur le stream. Salut. Alors c'est peut-être pas Max Panex mais MC Panex, je ne sais pas trop. Non on peut pas. Bah non. On peut pas mettre 3 teams Tomo et même si t'as les mobs. Sinon après en gros tu fais du. Tu t'auto-carry du raid quoi. Déjà 2 c'est bien. C'est Panex. Alors sinon ça serait trop simple. MCP, d'accord, ok. Alors tu peux changer ton pseudo Annex. Par contre je crois que c'est sous un laps de temps de 2 mois. Alors tu peux pas lancer un raid si t'es que 2 par contre Tomo et je crois. Ah d'accord ok tu stream aussi ok. Ah non mais comme je t'ai dit Tomoe sinon tu t'auto-carry le raid, t'as plus besoin de personne, en gros tu joues solo tout le temps, c'est plus je dirais que limite y a plus trop d'intérêt quoi.
Par contre, ce qu'empêche pas le fait que si t'as deux comptes, du coup, tu peux t'auto-carry le. Faites des gosses. Lol. C'était sur One Piece Treasure Cruise. Le dernier One Piece que j'ai fait, c'était le Pirate Warrior, je crois, le dernier qui est sorti en date là. Un bon beat'em all. Bon défouloir. Salut Exilon, bienvenue sur le stream. Oui, non, mais c'est ça en fait, Tomoe, c'est exactement ça. C'est pour ça que des fois le soir, tu sais, avec Fini, un mec de ma guilde, un pote là, on se prend même pas la tête, tu vois, je mets deux teams et puis on est tranquille, au moins on est sûr que ça passe. Non, il n'y a pas de souci, Exilan, si t'as envie de rester en mode fufu, fais-toi plaisir. C'est juste que je trouve normal en tant que streamer de dire bonjour à tout le monde. Quand même, tu veux aller loin, mais les vélins sont pas cool. Ah, alors effectivement, avec les vélins, ça te permet d'avancer un peu, je dirais, un peu plus vite, mais sur le principe, tu peux avancer quasiment, et je pense que tu peux même faire du R5 avec des teams full farmable. Alors forcément, ça prend beaucoup plus de temps, mais c'est jouable. En fait, ce qu'on est en train de faire là, tu vois, Annex, c'est du raid. Là, on est dans le raid niveau 4, il y a 5 niveaux de raid. Donc forcément, plus tu montes, plus c'est dur. Mais il y a la possibilité de pouvoir faire du raid 5, de niveau 5, avec des mobs que tu peux aller chercher soit dans les donjons, soit en vélin inconnu en 3 stars. Alors effectivement, c'est beaucoup plus compliqué parce que les stats exigées seront beaucoup plus dures à avoir avec les runes que tu vas attraper dans les donjons, mais c'est jouable. Ouais, moi j'arrive à gérer jusqu'à à peu près 300 personnes sur le chat, après je commence un peu à galérer. Mais c'est rare quand on monte à ça. Ça a été un gros pic, 354 personnes, le record de la chaîne actuelle. Salut Spotnik, bienvenue sur le stream. Ouais, bah oui, aller faire au début, de toute façon, c'est compliqué. Salut à Vidéo Kill. J'utilise soit 5K Player, soit l'Only Screen, et je suis sur iOS. Vu que le panda à feu et Darion sont farmables, il n'est pas si compliqué que ça de se faire une frontline de raid. Kona et Colin peuvent heal et cleanse, donc il suffit de trouver 2 DPS. Oui, c'est exactement ça, Axilon. De toute façon, en DPS, tu peux un Ifrit, tu peux y aller avec Théo en Ifrit, qui est le plus intéressant avec le lead crit. Enfin, quoique si t'as le panda, t'as quand même le lead def. Et sinon, en très très bon DPS 3 stars, il y a Ardella. Ardella qui est l'archère magique vent, qui est vraiment qu'envoie des grosses grosses gifles, mais forcément vu que c'est un 3 stars, c'est un peu plus chiant à runner. Mais tu peux effectivement très facilement trouver des team raids. Merci merci Annex pour le follow. Oui, enfin t'as side synchro sur Android, mais sinon de toute façon maintenant les
Maintenant, les émulateurs sont tolérés. Donc, tu peux même utiliser un émulateur. Je te conseille BlueStack ou celui que j'utilise, c'est quoi? Nox. BlueStack est bien, mais beaucoup de ralentissement, et Nox, très bien. Bof, bof quoi, Tomo? J'ai pas suivi. Ouais, c'est pas dégueu, hein, Tomo, hein, selon les mobs, quand tu need un petit peu de def, c'est toujours cool d'avoir des. Genre par exemple, là, les héroïques comme ça en flat, j'en garde. Donc en fait, t'en gardes quasiment jamais parce qu'il y en a très rarement des bonnes. Mais Ah, Ardella, ouais, t'as du fait gratos. Non, attention, j'ai pas dit autoriser, j'ai dit tolérer vidéo. Maintenant, ils ont vu qu'il y avait beaucoup de gens qui utilisaient des émulateurs, donc oui, tu peux utiliser des émulateurs. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le jour où il t'arrive un problème et que t'es sur émulateur, il faut rien leur demander. Mais sinon, maintenant, tu te fais plus ban quand tu utilises un émulateur. Ouais, sur le principe, même si j'ai mis de l'argent dans le jeu, l'unique, j'ai toujours utilisé mon compte comme un free-to-play, hein, puisque j'ai jamais acheté de pack avec les cristaux. J'ai toujours tout utilisé que dans les refils, les refils, les refils, les refils. Donc même si j'ai mis de l'argent, j'utilise que mon compte. Enfin, j'estime que mon compte est resté partiellement free-to-play en fait. Et comme j'ai déjà expliqué pas mal de fois, je trouve pas l'intérêt de claquer 750 cristaux, soit 25 refils, pour acheter des vélins, sachant que si tu farmes comme. Enfin comme importe, si tu farmes normalement et régulièrement GD, DB ou autre, tu fais entre 5 et 15 vélins par semaine avec le shop, donc je vois pas trop l'intérêt en fait. Apparemment, mon manque un Yeti Dark et une Succube O pour avancer pour Veromos. Alors, regarde bien, Annex, tu as un event. Oula, petit souci avec ma team. Regarde bien, il y a un event pour justement les early games au niveau de la fusion, où en faisant du farm d'essence, ce que tu auras forcément besoin, tu peux accéder à deux mobs fusion, soit pour la même, soit pour deux fusions différentes. Donc tu peux directement aller chercher ta succube feu et ton Yeti Dark via l'event. Ah oui, non, mais ça c'est clair l'unique, ouais, j'ai fait que farmer, farmer, farmer comme un porc. Ouais. Ça, on est d'accord. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé le jeu, j'ai quand même eu énormément de luck sur les 4 stars que j'ai eu. Si, tu peux l'avoir, le Yeti Tomoe, dans l'event. Regarde bien. Faut pas prendre le Yeti ou le chaton. Ah, t'as récup. D'accord, t'as déjà récup Vampire et Niken, ok. Ouais, les autres sont farmables, effectivement. Farmables, mais chiant à avoir. T'as quitté Tomoe, t'arrêtes? Une succube haut pour créer Akia.
Alors Akia, c'est déjà une succube, donc je ne pense pas que ça soit la succube O que tu cherches. Parce qu'après, de toute façon, annexe tous les mobs de la fusion Veromos sont farmables. Hein, donc, salut Hiro, comment vas-tu? La harpie haut. La harpie haut, tu peux l'avoir vélin inconnu, vélin mystique et quoi? La harpie haut, je sais pas si la harpie haut il y a un. Je sais pas si la harpie haut il y a un SD, je crois pas. C'est pas. Hop, salut Lynn, comment vas-tu? Les deux stars aux F, non? Dans le shop? Oui, les deux stars, tu peux les choper dans le, tu peux les choper dans le shop, ouais, de toute façon. Bah, écoute, ça va, tranquillou, on farme du raid, histoire de choper quelques meules. Salut, salut Yuki, comment ça va? Les deux stars, tu les as dans le shop et en SD de toute façon. Vous préférez Shaw ou Sigma pour GB10? Alors perso, je préfère Sigma parce qu'il y a de l'AOE et des gros hits, des gros mono hits. Mais en contrepartie, Shaw, il peut finir de solo le GB10 au cas où ta team prend très cher. Donc c'est plus une question de choix, je dirais. Sachant que c'est en GB10 en début de jeu, c'est plus facile à runer un Sigma en Fatal Lame avec on va dire 10-15k HP, 80 de taux crit et 150 de dégâts crit. C'est assez facile à avoir dans l'ensemble plutôt qu'un Shaw avec 35k HP, du crit, du dégâts crit. Enfin voilà. Ça demande énormément de stats un Shaw pour que ça soit vraiment rentable. Mais les deux sont des très bons mobs. Je pense que le mieux, c'est que tu tryes en fait les deux et que tu prennes celui qui t'intéresse le plus. Il y a un SD Harpie? Ok. Tu me mets en radio, Lynn. Faudrait que j'aille try mon Toward 100 aussi. Ça serait bien que j'essaye de le passer. Mais j'ai eu que des RNG pourris avec quasiment zéro stun à chaque fois sur le boss, du coup c'est un peu chiant. Speed, Fatal ou Swift? Merci, merci Axillon pour le follow. Bienvenue à toi. Ah non, c'est pas ma wishlist, c'est tous les 5 nats que j'ai, l'unique.
que j'ai eues pour l'instant, du moins. Non, ma wishlist, ça serait plutôt des dons pour pouvoir changer quelques pièces de mon PC qui tombent en ruine. Si, à part ça, je nique pas grand chose sur SW à part un galion. Diana, je la jouais en PVP, en manuel, sinon perso, là je la joue dans mon stockage. Il y a plein de mobs qui sont dans mon stockage que j'utilise pas. Parce que je fais pas de PVP de base, donc enfin très peu de PVP, du coup il y a énormément de mobs qui sont au stockage. C'est quoi ces vieux wipes à deux balles? C'est pas mal. Ça va me servir sur Eladriel. Ou sur mob PVP. Enfin sur mob raid, je sais pas trop encore. J'arrive pas à tirer dessus. Truc où tu pompes plus rien. N'oubliez pas votre event avant le reset de 17h là. N'oubliez pas qu'il y a un petit light and dark à choper à la fin pour ceux qui ne l'auraient pas encore. A plus tard, Annex, pas de soucis, ciao ciao, bon après-midi à toi. Oh,
Ah bah c'est ça, hein. Ma deuxième team elle est là pour ça, hein, Tomoe, hein, tu sais. Elle est pas là pour faire du DPS. Hein. Ah, alors j'ai plus d'énergie, je vais m'arrêter là pour le raid un peu, Tomoe, je vais aller farmer, je vais essayer d'aller farmer quelques runes. Et puis je repasserai en raid tout à l'heure. C'est bien cool ces petits runs. Après moi perso pour le raid je pars du principe que tant que ça passe je m'en fous un peu quoi. D'ailleurs, oubliez pas votre world boss, puisque il devrait tomber aujourd'hui aussi. Là, il faudrait que je le refasse en Swift, ça serait une idée plutôt. Je m'en sers pas donc. Faut pas que ça dure 5 minutes non plus. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Mais bon, après, je veux dire, même si les runs font 3 minutes 30, tu vois, par exemple, ce qui est plus que long, ça me va quoi. À monter des runes, ça 14 parce que ça veut pas passer 15, ça c'est fait, c'est fait, ça c'est fait, ça c'est pareil, ça veut pas passer 15. S'en fout. Bon, toi t'es pas up non plus, mais un Barretta avec 30k HP. Oh, quoique. Si je m'amuse à faire un petit peu de Toward là, c'est bien s'il y a un peu de HP quand même. De toute façon, je vais pas pouvoir monter 50 runes. Reste pas avec 100k mana que je vais aller loin. C'est réglé. On aura fait un up, c'est très bien. C'est parfait. Je suis sur le taux à 100, Tomoe. Salut Wesker! Bah écoute, on va essayer. Hein. Voilà, normal. Véro qui stun quasiment jamais personne. Forcément, il fallait qu'il me stun celle qu'il fallait pas. Ça paraissait logique. Eh ben non, ça marche pas, du coup ça va être encore pire que pire. Oh. Non mais de toute façon je sais d'avance que c'est celle qui va avoir le break def qui va...
Qui va prendre le stun, parce qu'à chaque fois c'est toujours comme ça, donc si tu veux, ça me... je sais exactement ce que ça va donner. Tu l'as déjà passé le Toward Ifrit. Alors j'ai passé le Toward 100 avec le mec, mais pas avec la gonzesse encore. Ah, avec Lyri, d'accord, non, pas avec elle. Ça c'était logique de toute façon. Mais ça va me permettre de gagner un tour. Ah, faut dire que j'ai toujours eu la flemme en fait de faire ma Toward 100, parce que c'est tellement long que ça me gonfle. Non, parce que j'ai une autre team, Axilon, mais c'est largement faisable de faire la Toward 100. Enfin, c'est largement possible de faire Toa Toward avec cette team-là, ouais. Non! Ça par contre c'est moins cool. Hop! Non! Bon, et on recommence. Pétasse. Merci Fabio pour le follow. Ça dépend. Le 93, c'était Léo et 4 Ragdoll, je crois, le 93, un truc comme ça. Non! Allez, proc!
Nice, merci. Ouais, c'est ça, les hauts 4 ragdolls, ouais. Quand vous en aurez marre de résister à tout, vous me le dites. Non! Ouf, ça va, mon doigt a pas. C'est nickel. Salut, salut Skelly! Comment vas-tu? Ça va, tranquillou. Je vais mettre Tessa. C'est vrai que Tessa, pour tout ce qui est passif de merde, c'est génial. Merci The Boss No Name, bienvenue sur le stream. Ah, The Boss Mohamed, pardon. Dans quel step de ta mort, bon, je viens de le passer, 6 star, mais je le skill up. N'importe, Styler. Le 3, l'étage 3 par contre est plus sympa à faire, mais sur n'importe quel étage en fait.
Enfin, il est déchaîné, Véro. Merci Yacine pour le follow, bienvenue à toi. Allez, on va commencer à remettre les. On va commencer à remettre les CD à zéro. On va se préparer pour bien attaquer le boss. Il n'y aura plus qu'à espérer que ça soit la bonne qui soit au milieu. Et qu'on stun bien comme il faut. Ah, zéro stun, ça commence déjà très très fort. Donc on a le Revenge et le Bouffa TV, celle du milieu par contre c'est pas mal. On est bien content d'avoir la bleue au milieu, mais... Ah putain, si j'arrive pas à stun par contre... ça va pas être worse, du tout même. Bien.
Ah, Beston aussi! Allez, et voilà, merci, au revoir. Zéro stun, zéro, même l'Imav a mieux fait le taf que le Despair et que Veromos, c'est un peu n'importe quoi. Plutôt hard, ce qu'il dit. Salut Nunu. Raté. Salut Garganta. Salut Chiciso, bienvenue sur le stream. Ce mois-ci, il était au quoi? Il était au 60 ou 70, Artamiel? Non, 70, c'était Véro. Il était au 60, ouais, au 60, pareil. Salut Blackburn, excuse-moi, je t'ai pas vu arriver. C'est parce que ma clope électronique, il n'y a plus de batterie, Blackbird. Du coup, je suis en train de la recharger. J'ai même essayé avec Rika et Charlotte, il reste pas stun.
Donc du coup, une fois de temps en temps, je fume une clope, quoi. Nice. Ça va, éveiller les mobs, c'est moins chiant que de devoir les farmer. Ouais, c'est clair, ouais. Il est vraiment sympa l'event pour les early. Heureusement que dans le runage que j'ai fait à Tessa, c'est devenu un sac à PV parce que le pauvre il n'aurait pas encaissé grand chose le loup. Le feu c'est demain et le haut c'est après-demain. Oh putain, stun-le! Ok, bon ça va. Salut Grintarus, bienvenue sur le stream. On va pas prendre de risques. Oh putain, ça me saoule. Quand il n'y a aucun contrôle qui passe comme ça, c'est vraiment chiant.
À plus, Blackbird. Ciao, ciao. Ouais, je bloque Alato à Hard, ouais. Salut Nopan, bienvenue sur le stream. C'est qu'une carte graphique d'entrée de gamme. Parce qu'une 1050 Ti 4 Go, tu trouves que c'est une entrée de gamme toi, Nopan? Disons qu'après mes moyens me permettent pas de demander plus, mais si vous voulez m'offrir une 1080, moi y a pas de souci, hein. Ça me va aussi. Hein. Je pense que déjà... Salut Ben Boy, comment vas-tu? Pour stream, un i7 c'est beaucoup mieux. Alors un i5 ça passe, mais il faut dire que c'est quand même compliqué. En i5. On verra. La perso, faire tourner les derniers jeux du moment avec le stream en fond, plus tous les logiciels qu'il faut, un i5 c'est un peu léger. Par contre le water cooling je vois pas trop l'intérêt mais... Et une bonne ventilation de base suffit largement. Bah déjà PUBG par exemple, PUBG pour le stream en fluide à 60 fps avec le stream qui tourne à côté, pour envoyer. Ouais, enfin l'overclocking perso, c'est limite, c'est plus quand tu fais de la compète qu'autre chose, hein, parce que je vois maintenant avec la puissance que les PC développent, je vois pas trop l'intérêt d'overclocker son PC. Un i7 4 Go par exemple, suffit, t'as pas besoin d'overclocker ton PC pour faire tourner tout ce que tu veux. Hein. Après oui, effectivement, je comprends le principe du water cooling pour les overclocks, mais je vois vraiment pas l'intérêt en fait.
Salut Firekena, bienvenue sur le stream. Le 67, le 67, je me rappelle même plus qui c'est au 67, donc... Salut Gun. Non, il est pas full skill. Le double zéro, ça... non, c'est le zéro ce double acroma plutôt. J'y suis allé avec Bastet, Vero, Bella, je crois que c'était Shazoon ou Colin, Spectra et Mav. Attends, Bastet, Vero, Bella, Mav et un deuxième île. Oui, non, mais en fait, je l'ai pas lu dans ce sens-là, en fait. Ah bah forcément, s'il y a résiste aussi, voilà. Forcément, s'il y a résiste, le pauvre, il va pas faire long feu. Diaz il fait le café, il réduit les dégâts de 15%, donc forcément ça aide. Oui, moi j'avais pris Bastet, c'est pour le lead def en fait. Salut Benoît. Bah alors ce centième étage, ça fait quelques trails quand même. On en est à 3-4 trails, un truc dans le genre. Super. Ouais, c'est le 100 hard. Ah, ça y est, vous voulez plus prendre l'Oblivion là? Salut Faelisa, salut Dan, salut Ruby, salut Zalix, bienvenue sur le stream. C'est n'importe quoi. Maintenant, elles prennent plus l'Oblivion, elles prennent plus rien. En gros, ça va être direct, on va recommencer, ça ira plus vite, je pense. Ah, c'est cool, merci. Juste à temps. Juste à temps.
Merci, au revoir, on commence. Merci, merci Tomoe, à plus, ciao ciao. Bon, on va mettre plus de heal, hein, c'est tout, hein. On va pas se faire trop chier. Ça va être encore pire que pire. Là. Eh ben c'est pas gagné, c'est pas gagné, gagné. Y a rien qui passe. Salut Kimo. Merci, merci Nunu, mais encore faudrait-il que j'arrive à aller jusqu'au bout. On verra ce qu'il en est après. Ouais, parce que le mien tombe en ruine. Donc du coup là j'ai plus le choix et il faut que je le change. Enfin du moins il faut que je change quelques pièces. Les pièces affichées qui en gros représentent l'équivalent d'un PC. Et là, j'ai plus trop le choix. Salut Baptiste, salut Junior. Salut Radayo. Putain!
Salut, salut Radio. Salut Blexassi, bienvenue sur le stream. Hey Stun, merci. Stun. Rock. Ça doit être une blague, putain, j'ai plus rien qui passe. Allez là, s'il vous plaît, un petit aide un peu de la RNG là. La RNG pourrie. Ah ouais, bah c'est génial. La RNG elle a pas envie. Donc c'est fini. Mais merde, et pourquoi tu fais pas l'autre, Aspic, elle est blindée de debuffs et qu'elle va t'en mettre plein la gueule. Merci Zalitz pour le follow, salut Geek, bienvenue sur le stream. Salut El Carlos, bienvenue sur le stream. Ah
0 stun. Si c'est-il pas magnifique. D'accord, ok, je passerai pas le cours suivant. Rock. Rock. Stun. Stun. Salut Sean, salut Chrome, bienvenue sur le stream. Rock. Stun. Non, toi tu stun pas. Rock. Raté. Rock. Merci. Rock. Stun. Raté. Stun. Allez, réduc. Raté. Stun. Allez, stun. Oh, abuse pas non plus, là. Au revoir, Bella. Et on recommence. FK Bio, j'arrive. Épique ce tryharder, et complètement, complètement le tryharder, c'est ce qu'il faut. Salut stream de geek, bienvenue sur le stream. Et on recommence. Stéphane. Yep.